Bonjour à tous les amis, c'est Fan de 17. On est avec vous cette semaine, Mickaël. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui avec. Eh ben, tranquille, plutôt Totovol, puisque nous sommes sur. F1 2010, et j'ai encore envie de faire la blague, donc je n'ai pas Totovol, qui est plutôt Binotto. Eh oui, merci pour le compliment. Aujourd'hui, les qualifs du Grand Prix de Belgique à Spa, encore chiant. Alors, on vous racontera ce qui s'est passé dans les essais, mais juste après qu'on ait commencé les qualifs, parce que vous allez voir, c'est quand même un peu space. Alors après, est-ce que ça va être pareil? Parce que du coup, je vais devoir. Il faut savoir qu'il va pleuvoir pour la cour, donc je vais devoir sacrifier cette qualif pour pouvoir mettre le réglage pluie. On va voir ce que ça dit. On va commencer en pluie absurde sec, on va voir. Mais ben, on ne peut pas changer, c'est pas prêt. C'est pas prêt, donc. Oui, mais entre la Q3 et. Ah oui, on a la Q2, il faut savoir qu'il pleuvra. On verra. Oui, voilà. C'est ça, Elke. Okay. Donc, on a vu au championnat du monde, tu es 5e, tu es passé 4e. Tout à fait. Tu restes sur une 2e place au Grand Prix de. Hongrie. Ok, merci. As-tu mis les réglages ouat? Mais oui, c'est pas refermé sinon. Ah ouais? Tu peux pas rechanger? Si, mais bon, c'est pas très réaliste. De toute façon, c'est quasiment les mêmes. Ça serait pas très réaliste. Oh, allez. 10 minutes longues. On peut voir ce qu'ils annoncent là? Comme temps? Soleil. Pluie forte. Soleil. Bon, allez. Pareil des pneus normaux. Ouais. Enlève-nous un peu d'essence. 5, ouais. Nickel. Allez, c'est parti pour un petit tour lancé. Ouais, c'est bon. Alors, on va faire 20e si je ne m'abuse. Non, 15e. Donc, grosso modo, le passage Q2. Allez, c'est parti. Bon, alors, pour tout dire, hier, il a mis un petit moment avant de trouver le bon réglage. Le bon fonctionnement, pardon, le bon réglage qu'on avait. Allez, Fred. Le bon fonctionnement, j'ai eu du mal à trouver. Par contre, une fois que j'avais vu... Faut pas commettre d'erreur. J'ai fait... On dit rien pour l'instant, on dit rien. On va voir un peu du temps qu'on va faire. Je vais juste vous dire que pour tout ce que j'ai fait, ils étaient pas forcément... Valenti. Très propres. Ils étaient pas très propres, mais au niveau chrono, ça fait mal. Il faut bien anticiper tous les freinages. Hein. Freine, voilà. Là, t'es parti à la faute, là, plusieurs fois. Ouais, c'est ici, je pense, l'un des freinages les plus compliqués du circuit avec le premier. Voilà. Attention, là. Celui-là est très, très piégeux. Ouais, parce qu'ici, il faut pas trop réaccélérer si vous voulez pas sortir, il faut vraiment c'est donner propre, des... C'est propre, c'est propre, faut vraiment donner des petits coups d'accélérateur, bah tiens. Let's Antonin passe. Attention, là, un petit coup de frein. Le jour où il marquera des points au championnat, quand même. Ça aidera notre équipe, mais là... Tiens, d'ailleurs, Kubica a mis des points au Grand Prix d'Allemagne dimanche. Attention, là. Un Grand Prix de fou, apparemment, que je n'ai pas suivi. Eh oui. J'ai regardé les highlights, c'est vrai que c'est quand même assez fou. Attention là, c'est propre pour l'instant, c'est un tout propre. Ouais. Nous allons voir le temps et on vous expliquera tout en fonction du temps qu'il fait. Allez, Chandot, pousse-toi. On t'aura pas eu un tour très clair, on va voir si ça se paye à fond. Hein. Ça se paye au niveau du chrono. Là, faut aller à fond et là, il faut bien ralentir un peu. Et puis alors là aussi, freinage... Très technique, je trouve. Ouais, parce qu'il faut trouver le bon point de freinage et il est très compliqué. Attention, ne pas aller trop taper vers l'intérieur parce qu'il y a des petits boudins là qui peuvent vous faire partir en tête à queue. Et voilà, fin du premier tour. Oula! Peut-être avec ton temps. Hein. C'est que t'as pas les bons réglages. Hein. Allez, fan. Peut-être que les réglages aidaient, effectivement. Ouais. Peut-être que j'ai pas bénéficié d'un tour clair, je sais pas. Alors, on va voir ce que ça donne. Faut espérer, alors on a vu que les temps étaient en 1,55, je tiens à vous dire ça, ils ont... Allez, fan, ralentis. Ils sont pas descendus au-dessous des 1,55. Ah, c'est notre partie préférée, là, c'est... Ouais. Circus de la Formule 1, cette montée. Allez. Une seconde. J'ai oublié de... De quoi? De mettre... J'avais oublié de un peu de... Attention, là. D'appréhender le virage. Accélère pas trop fort là. Allez! Bonne attention là! Victoire. Allez!
Allez, un bon coup de frein. Ouais, tu peux en plus dire l'intérieur là. Ouais, c'est pas mal. Allez, allez. En même tout là. C'est bon ça. Attention là. Hyper rapide, 1,55 voilà, Vettel est allé chercher l'une 55 d'entrée. Ouais. On va être capable. 2 secondes. Allez. Bah là ça ferait l'une 55 à peu près. Ouais, bon, on va encore aller en chercher. En fait, sur les essais libres, on a gagné beaucoup de temps sur la première partie du circuit. Attention là. Allez, freine. Ah, le boudin, tu m'as fait peur. Allez, à fond. Est-ce qu'on va aller passer un gros temps? Ouais. Bon, on va tous vous expliquer maintenant, une fois que tu seras rentré au garage, on vous explique tout ce qui s'est passé pendant les essais maintenant. Hein. Alors, pendant les séances d'essais, j'ai fait des tours de port, il n'y a pas de plan. Oui. Oh, il y en a un qui est descendu sous l'une 55, on va voir ce que ça dit. Et donc, j'ai fait le tour vraiment absolument pas propre. Et pourtant, le meilleur chrono que j'ai fait, c'était en 9-2, je crois que c'était en 1,52-9. Non, 1,52-7. Ouais, 1,52-7 ou 1,52-6. Le meilleur chrono que j'ai fait, c'était en E2. Et alors pourtant, j'avais été taper le polystyrène sur le dernier virage. Et donc, on avait 2 secondes, plus de 2 secondes d'avance sur tout le monde pendant les séances d'essai libre. Très bizarre, très très bizarre. Mais bon, là, apparemment, ça a commencé un peu à se réveiller. Oui, aucun pilote n'était descendu sous le 1,55, hormis nous, bien sûr, sur les séances d'essai libre. Alors, est-ce qu'il pleut? Oui. Du coup, on va quand même descendre. Ouais, allez, vas-y, change les pneus. C'est bon pour nous, là. Oui, non, mais de toute façon, c'est bon, c'est déjà les pluies. Oula! Oui, effectivement. Ah, c'est déluge. Je tente le carburant risque pour le premier tour, on verra si ça glisse trop. Allez, freine bien, anticipe. Hein. Wouah! Déjà, je sais déjà qu'il faut pas le. Putain, il faut pas faire d'erreur là. Faut absolument pas mettre le carburant risque déjà. Allez, on relance tout là. Oula, c'est pas bon ça. On n'a pas encore trop conduit sous la pluie. T'anticipes vachement plus et accélère pas trop. Hein. Allez, fan. Ouais, c'est pas grave s'il y a des erreurs, tout. C'est quand même de battre les autres. Attention là. Attention, ralentis bien là. Allez, ça. Ouais, la réaccélération, c'est pas tant dans les. C'est dans les virages qu'il faut se méfier, pas trop accélérer fort, c'est surtout ça. Allez, pas bien là. On anticipe un maximum. J'ai voulu là vraiment anticiper un maximum. Ouais, non, mais c'est ce qu'il faut faire, il faut assurer, il faut assurer. Ça va m'avoir fait perdre un max de temps. Attention là. Allez, la voiture qui ne tourne pas, pourtant elle a le réglage pluie. Attention là, attention. Oh là là, ça ne tourne absolument pas, les amis. Mais alors, pas du tout. Attention là. On va accélérer. Wouh! Allez, ramène-la. Allez, c'est pas grave. On fait quand même le tour, on va voir ce que ça donne, même avec cette petite erreur. Il y a toujours une marche sous la pluie qui nous est favorable. Attention là. 2,13,7 pour Alonso au passage. Attention là. Surtout ne pas réaccélérer trop fort. Attention là. Oula, t'es sorti large, mais c'est bon, attention là. Ouais, c'est bon. On décélère un poil peut-être là. Allez. Faut pas prendre de risques, hein. Je pense qu'on va aller les chercher sans prendre de gros risques malgré le petit à queue. Attention là. Tu peux passer vite là. Attention là. Ouais, c'est bon, là, de toute façon, ça, c'est pas des parties très techniques où on accélère fort. Attention, là. C'est le dernier virage. On va voir en combien de temps tu es. Ouais, je pense que sans le tête à queue, il n'y a pas photo. Hein. Allez, on va attendre 2, 13, 14. On n'a pas la pole. Hein.
De 14. Allez. Un deuxième bon tour, sans erreur. Si tu fais pas de tête à queue, on est largement devant. Allez. C'est pas grave de pas être très propre. De tout, c'est de laisser la voiture sur le circuit. Ouais. Attention là. On ralentit bien. Pour voir les vieilles vidéos de Formule 1 avec à bord avec Ayrton Senna là sous le pli. Ouais. Oublie bien. Anticipe bien là. Voilà, on est en avance. Sixième déjà. Et oui, mais il n'y a pas le tête à queue. Le tête à queue nous a fait perdre au moins 2 ou 3 secondes. Hein. Donc, c'est là, là qu'il faut bien que tu assures. On pourra le faire. Non, c'était pas ici. Oula, c'était pas ici qu'il était parti. C'est l'autre d'après. C'est, ouais, l'autre d'après. C'est celui-là, là où on sortira tout, 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 tout. Ouais, c'est parce que, à mon avis, c'est très mouillé. Alors, attention là. Attention. On dirait Jacques Lafitte. Ouais. Attention, il va doubler. Attention, il va doubler. Jacques Lafitte qu'on salue qui t'a fait un petit autographe une fois. Ouais, en passant. Au circuit de Charade. Jacques Lafitte, ancien pilote de Formule 1. Qui a été un peu tout surpris qu'un un jeune de ton âge le connaisse. Ouais. 7 secondes, dis donc. Allez, on va écrabouiller la séance. Mais c'est pour ça, quand il pleut, je sais pas, les IA sont vraiment nuls sous la pluie. Ouais, pas commettre d'erreur, c'est sur ça. Le... Attention là, attention. On va dire une mini-erreur. Ouais, mini-erreur. Mais pas de tête à queue, pas de. Ouais. On va partir dans le décor, attention là. Allez, assure le dernier pif-paf là. Allez. C'était complètement large, j'ai très bien. Ah, c'est bon, on va passer en 2-7, 2-8. Allez, c'est bon, là, lâche tout, là, on peut rentrer. Bon. Putain, c'est le Grand Prix fait sur ce temps-là, là, ça va pas être évident. Hein. Bon, 5 secondes, c'est ça, sous la pluie. C'est la limite de ce jeu. Ouais. C'est la limite de ce jeu. Bon, du coup, l'objectif est rempli, hein. Q3. Allez, faut aller chercher le. Il pleut toujours ? Non ? Non. Est-ce que c'est humide par contre ? Non, on met que 4 tours là. Ouais, allez. Ouais. Il t'a dit quoi comme pneu ? Je mets peut-être les. Non. Ouais, mais les nouveaux parce que tu pourras faire avec ceux-là. Ouais. Allez. Puis je vais clairement pas tenter une stratégie à 2 arrêts. Bon, bah c'est bon, ça a bien séché, disons, entre la Q2 et la Q3. Allez, une 57. Allez, Fred. Objectif, fallait descendre sous les 1,55, voire 1,54. Ah, si on va taper un 1,54, 1,53 pour commencer, la pole est assurée. Ralentis bien. C'est dommage qu'on n'ait pas filmé le tour en 1,52 tout pour hier. Hein. Ça aurait été. Allez! Attention là au tête à queue. Même si c'est. Ouh, souvent... Attention là. Bon, c'est propre, c'est propre. Hein. Attention là, c'est celui-là que t'aimes pas. Allez, plonge bien. Ouais, attention, accélère pas trop fort. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, attention là. Allez, emmène tout. Va bien chercher la corde en bas en freinant. Allez, va chercher la corde. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal, reste comme ça là. C'est pas mal. Allez, un bon coup de frein là. On va voir si ça paye au niveau chronométrique, mais je pense que ça nous était meilleur pour moi. Hein. Ça continue comme ça, attention là. Allez, un gros cœur là, ça passe tout seul là. Allez, à fond. Allez, un bon frein. Bon, oh, c'est propre ça, allez. Attention là. On va pas trop manger l'intérieur. Allez, à fond. Ouh, ça va faire mal, ça va faire mal. Eh ben non, pas tant que ça. Eh ben non, 55 est surprenant. Allez, ramène tout.
Et pourtant, c'est le tour le plus propre que j'ai fait. Ouais, ouais, au niveau pilotage, allez. Tu fais souvent un deuxième tour meilleur que le premier. Ouais. En fait, je vais faire des tours de cochon pour être premier. Alors, attention. Allez, un même tour là. Accélère. Ouais, t'as accéléré plus tôt là. Faut pas forcément être très propre. Il faut... Allez, ralenti. On en avance, hein, logiquement. Pas de tête à queue. Pas de tête à queue. Allez, attention. Ouais, ça passe bien là. Allez. C'est agressif là. Attention là. Attention là. Ah, t'as pas accéléré. T'as bien accéléré là. Attention là. Allez. C'est pas grave. Ouf. Sorti large, c'est pas grave. Attention, celui-là bien à l'intérieur. Ouais, c'est propre ça, c'est propre. Allez, allez, allez. Oui. Allez. Là. On attend le pilote en apnée. Attention là. La souffrance du pilote. Ouais, 3 secondes. Allez, 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 allez. Allez, là c'est énorme, là c'est énorme. Allez, à fond là. À fond. Allez, ralentis bien. Allez. Allez, là, un bon passage là. Allez, on va tout écraser là. What? Non. Je suis obligé de le faire là, je suis désolé. Oh bon, je sais pas ce qui a fait partir la voiture. Là, on est d'accord que vraiment c'est parti. Je sais pas comment. Allez. Pourtant, j'ai même pas touché les vibreurs. Allez, à fond. Ah, c'est dommage qu'il ça gâche un peu le. Oh là là, 1,51, c'était ton meilleur tour. Oh, ouais. Ouais. Bon, dans tous les cas, ça aurait été ouais, mon meilleur tour. Ouais, c'est bon, c'est bon, t'es la poule, hein, t'as la poule. Ah, les boules. On se prend un côté sportif. Et regardez, les autres, ils cherchaient 1,54,9. Voilà, il s'est passé ce qu'on avait vécu en essayant encore ouais. Pire aujourd'hui là. Il y a un... sur ce circuit, c'est dingue la différence qu'il y a entre l'IA et puis le vrai pilotage. Quand tu as un réglage et quand tu utilises le carburant dessus. Mmh. Oui, oui, bien sûr. Oui. Et encore, j'ai vu le réglage fini, c'est ça le pire. Mmh. C'est ça que je trouve. Et je joue à la manette, donc si ça se trouve, si on joue au volant, en plus, ça doit encore plus être... Le volant, c'est encore plus précis. Il faut rappeler quand même que le record sur... on l'a regardé hier à Spa, encore changé, t'as dit l'année dernière, c'est de 1,42 au tour. Hein. Ouais, donc je suis à 10 secondes. Ouais, ouais. Ce qui est quand même assez énorme. Après, faut se dire que bon, certes, là, c'était encore des V10, je crois que c'est la dernière année où il y a des V10 en Formule 1. Après, on est passé sur des V6 turbo hybrides. Depuis maintenant 2014. Voilà. Alors, l'interview. Allez-vous pouvoir conserver votre avance sur le Button? Je vais tout faire en tout cas, ce ne sera pas possible, c'est un excellent pilote. Ça ne devrait pas poser de difficultés. Bon. Allez, fais ton crâneur. Ouais, un peu de temps en temps. Est-ce que Spa est l'un de vos circuits favoris? Bah oui, mais... ça a été une piste superbe. Est-ce que les qualifications sont bien déroulées selon vous? Nous sommes là où nous. Ouais, je pense qu'on a pu faire mieux, ah, cette oui. Séance est excellente. On aurait pu faire mieux, hein. Ouais, c'est vrai. On aurait pu mettre 4 secondes et pas faire... Si, t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu pas faire de flashback. Ouais, c'est vrai, c'est pas beau. Oh, on va faire la fine bouche. Ouais, mais en course, faudra pas faire ces petites erreurs, là. À vrai dire, ça t'est déjà arrivé en essai libre, ouais. Hein, des tours propres, t'en as pas fait des tonnes. Bah, oui, mais c'est toujours les tours les plus rapides, c'est pour ça qu'on m'explique quand même... Il y a des moments, je me demande s'il faudrait pas qu'on filme ce genre de truc parce que c'est tellement. Voilà, mais. Bon, mais bien voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir à vous abonner à la chaîne. Si c'est pas déjà fait, ça me ferait également super plaisir à mettre un commentaire qui me critique dans le bon ou dans le mauvais sens, ça me permettra de m'améliorer par la suite. Voilà, nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine année! Allez, à bientôt, une vidéo très courte, on s'en doutait un peu, vu les temps de ces livres. Allez, à bientôt! Ciao!